pour cette nation. Merci pour toutes ces personnes que ton esprit restaure au nom de Yeshua. Amen. Amen. Wow. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui, ma soeur. Shalom, frère. J'ai une question qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps. Mm-hmm. Lorsque je vois ce qui se passe à l'Orient, Daesh, tout ce désordre qui se passe. Et la Bible dit que comme l'éclair apparaît à l'Orient et se fait voir à l'Occident, quel est le message pour nous? Pour nous qui attendons la venue de Christ, le retour de Christ, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce message? Très bonne question. Vous avez tous l'enseignement, c'est bon? Amen. 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 Ok, je vois qu'il y en a qui ont des cahiers, c'est très bien, avec des stylos. Donc, ben, on va parfaire un petit enseignement sur ta question. Nous prenons 1 Chronique, chapitre 12. Verset 23 jusqu'au verset 32. Seigneur, nous te soumettons toutes nos pensées, que ton règne, Seigneur, demeure parmi nous, Papa. Nous voulons te voir élevé, toi le seul Dieu, Seigneur, devant lequel nous nous courbons. Au nom de Yeshua, dans le témoin. Amen. Voici le nombre des hommes équipés pour la guerre qui vinrent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon le commandement de Yahweh. Des fils de Juda qui portaient le bouclier et la lance, 6800 équipés pour la guerre. Des fils de Siméon, forts et vaillants pour la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince de ceux d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, jeune homme, fort et vaillant, et 22 chefs de la maison de son père. Des fils de Benjamin, parents de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux soutenait la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, forts et vaillants, et hommes de renom dans la maison de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent désignés par leur nom pour aller établir David le roi. Des fils d'Issacar, fort et intelligent de la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Juste, on s'arrête là. David, ça va, Hassan? Pas trop fatigué? Ça va? Amen. David devait recevoir la royauté. Et il fallait qu'il soit entouré des personnes qui avaient une certaine qualité, aussi bien de qualité physique que morale, spirituelle, tout ça. Et parmi ces hommes qui avaient ces qualités, on nous cite les fils d'Issacar, qui avaient le discernement sur le temps. Donc la question que la sœur a posée justement a un rapport avec les temps, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas exagérer, près de 98% de nos églises sont malades. Plus de 98% des bâtiments d'églises sont remplis de démons. Ça, vous le savez déjà. D'accord? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe même ici à Brazzaville. Beaucoup de pasteurs sont francs-maçons, beaucoup sont aussi chrétiens, beaucoup ont vendu leur diable âme à Satan. Les vrais prophètes, les prophètes authentiques deviennent rares dans notre génération. Et quand on regarde effectivement aux trois horloges dont nous parlent les Écritures, c'est-à-dire Israël, donc le Moyen-Orient notamment, tous les pays qui sont autour d'Israël, quand on regarde à la deuxième horloge, c'est-à-dire les nations, et à la troisième, aux églises, on comprenait effectivement que le Seigneur n'est plus loin. Il y a un an et demi à peu près, j'ai eu une vision, je voyais, dans laquelle je voyais des
des horloges tombaient du ciel. Et il y a une grande horloge qui s'est retrouvée, je me suis retrouvé devant cette horloge, et dessus il y avait, n'est-ce pas, écrit minuit moins 3. Et j'ai vu ensuite des anges descendre du ciel, merci, parce que la vision me gênait un peu, descendre du ciel et enlever des chrétiens. Et donc le Seigneur me faisait comprendre qu'il était en train de revenir. Et 3 mois après, des scientifiques européens ont fait un article disant que dans l'horloge atomique et nucléaire, il restait 3 secondes. Il était minuit 50, il est pour eux, d'après eux, il est minuit 23h57, minuit moins 3. Et ils disent que si les gouvernants ne font rien, s'ils ne font rien pour réduire leurs arsenaux nucléaires, et ben la Terre, il va y avoir une troisième guerre mondiale qui va affecter le monde entier. Et ça, c'est une réalité. Donc, et nous savons très bien qu'ils ne vont pas réduire, n'est-ce pas, réduire leurs arsenaux parce que les Écritures nous disent qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, hein, donc l'Armageddon. Et nous sommes vraiment sur une poudrière aujourd'hui. Les nations sont sur une poudrière. Tout peut exploser d'une seconde à l'autre. Alors, ce qui manque dans nos églises aujourd'hui, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui ont le discernement concernant les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, celui qui maîtrise le temps, celui qui a le discernement sur le temps, il va maîtriser son environnement, il ne va pas se faire avoir. Je prends juste un exemple simple. On a initié ce programme. On a mis l'heure à laquelle il doit débuter et l'heure à laquelle il doit finir. Et tout à l'heure, en venant ici, chacun de nous s'est précipité. Nous étions sur la route, on était en train dans la voiture, de nous rendre compte effectivement qu'on était en retard. Et il fallait trouver des voies et moyens, des routes accessibles pour pouvoir arriver jusqu'ici, parce qu'il y avait une inondation, ça y est, c'est un peu inondé. Donc vous voyez, on court après le temps, à chaque fois. Donc, vous voyez, on faisait tout pour venir à l'heure, pour venir à... J'étais là, même là où on est logé, parce qu'on regardait à l'horloge. Je regardais, le délan regardait en même temps, et on était pressé par le temps. Donc, celui qui n'a pas la notion du temps, il va être dans l'apathie spirituelle. Il va être dans la passivité, il va être dans la loisiveté, et il ne va rien produire. D'où, justement, la mort spirituelle. Ça veut dire que la majorité de vos assemblées, nos assemblées sont mortes. Elles sont mortes. Elles peuvent chanter, crier, danser, tout ce que vous voulez, mais c'est là. C'est là parce que les gens n'ont pas la notion du temps de Dieu. Alors, il y a 2 temps. Il y a le temps physique. Il faut 9 mois pour qu'un embryon se développe, un fœtus. 9 mois sont nécessaires. Et si l'enfant naît avant, vient au monde avant le temps, on l'appelle, n'est-ce pas, l'avorton. Et même s'il naît à 6 mois, on va quand même s'organiser pour qu'il soit couvert un peu tout ça, et jusqu'à ce que les 9 mois soient, n'est-ce pas, atteints. Pourquoi? Parce que c'est l'horloge de Dieu par rapport à l'humanité, par rapport à nous autres humains. Donc, pareil, par rapport à cet enfant-là qui vient de naître, il lui faut un certain nombre d'années pour pouvoir avoir une pilosité, tout ça. Et même si cet enfant de 2 ans, un jeune garçon, dit « Maman, papa, moi, j'aimerais bien avoir la barbe. » Non, il faut du temps. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous sommes réglés. Et par rapport à la durée d'une vie terrestre, Psaume 90 nous dit que la durée d'une vie terrestre est de 70 ans. Donc, vous vous rendez compte que non seulement beaucoup de chrétiens n'ont plus la notion du temps physique, c'est-à-dire, même ceux qui ont 60 ans, ils vont continuer à draguer des filles parmi les pasteurs, ne se rendant même pas compte qu'il ne leur reste que 10 ans de vie sur terre. Alors, ils sont encore moins conscients du temps spirituel, du temps de Dieu, du temps des nations. Et c'est grave. Regardez cet homme dans la Bible. On en arrive, hein? Donc, je suis en train d'introduire un peu là. Et dans la Bible, cet homme qui avait des grands biens, ses champs avaient beaucoup rapporté, et il se réjouissait, il s'habillait magnifiquement, et on nous dit qu'il disait à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens pour le reste de ta vie, repose-toi, réjouis-toi. » Et la Bible nous dit que Dieu dit, « Insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as amassé, à qui cela reviendra-t-il » Beaucoup n'ont pas la notion du temps physique. Tels que nous sommes là, il y en a, peut-être qu'il leur reste 10 ans, d'autres 1 an,
Je ne sais pas comment Dieu va combler les uns les autres. D'autres dans le monde, des gens que nous connaissons, maintenant, il leur reste seulement une seconde. Mais ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de mourir, qu'ils vont avoir affaire à l'éternité. C'est grave. Et par rapport au temps de Dieu maintenant, c'est un temps encore plus difficile à cerner si on n'a pas les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Et les enfants d'Issachar avaient cette faculté. Et on nous dit qu'ils avaient le discernement du temps pour savoir ce que Israël devait faire. Ah oui, parce que tout ce que nous le faisons en fonction du temps. Ben oui, tout. Tout a un rapport avec le temps. On se réveille le matin, la première des choses que l'on fait, comme ce matin quand je m'ai réveillé, qu'est-ce que je fais? Je regardais ma montre. Et en fonction de ça, on va agir, n'est-ce pas? On va agir, on va réagir. Ça, c'est le temps du rendez-vous. C'est l'heure du rendez-vous, l'heure de la prière. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est important le temps. Maintenant, le temps de Dieu. Quel temps? Quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu actuellement? Ben oui. Il est presque à minuit. C'est fini. C'est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit dans Luc 21, regardez bien. Au verset 5. Et comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, est-ce là que vous regardez, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Et ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Quel signe? Alors le Seigneur dit, n'est-ce pas, au verset 8, et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Déjà que le Seigneur nous avertit par rapport à la séduction. Vous savez, la séduction, c'est comme ça. Ça va être cette arme-là que Satan a eue, comme vous le savez, nos premiers parents. D'accord? C'est quoi la séduction? La séduction, c'est le fait qu'on vous fasse miroiter des belles choses. Si on avait dit à Ève que dans ce fruit, il y a le racisme, il y avait le racisme, le tribalisme, le sida, la sorcellerie, la mort, elle n'allait pas le croquer. Vous voyez, non? En fait, tout était dedans, tout. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le mal était là, caché. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Eh bien, il n'a pas montré le mauvais côté du fruit. C'est ça le plus de la séduction. Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Regardez bien comment ces bâtiments sont embellis. Regardez bien comment ces pasteurs, ils sont toujours en costard et cravate. Hein? Trois pièces, tout ce que vous voulez. Mais regardez, ils rentrent en grande pompe. Hein. C'est beau. Regardez ces fauteuils sur lesquels les grands de ce monde sont assis devant. Vous avez vu? Séduction. Dieu n'est pas dans tout ça. C'est la mort. Vous avez vu le tombeau, là, comment c'est blanchi, là, comment c'est bien propre? Nous, on a des cimetières en France. Quand on passe devant, parfois, on se dit, oh là là, c'est pas mal cet endroit-là. Pourtant, c'est un cimetière. C'est propre, il y a des fleurs, il y a des tombes, mais c'est décoré, mais c'est pas possible. Vous allez aux Antilles, dans les îles, ils décorent encore plus leurs tombes, mais c'est grave. Les gens ont envie de mourir juste pour être dedans. Tellement qu'ils sont embellis. Vous vous rendez compte, hein? Mais en fait, quand on ouvre seulement les tombes, tout ça là, il y a plein d'ossements desséchés. Voilà, de la pourriture. Et bien c'est ça, la séduction. Vous voyez? On voit une belle femme comme ça, oh qu'est-ce qu'elle est jolie, mais elle ne te dit pas qu'elle a le sida. On voit un homme qui est beau, il est riche, mais il ne te dit pas ce qu'il a dans son cœur. Tu touches, tu goûtes seulement, là c'est la mort, fini. Et les millions là, tu vas partir avec dans la tombe? Non, la séduction. Et le Seigneur dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Vous voyez, c'est quand même terrible. Hein? On lui demande un signe par rapport à son retour, et la première chose que Yeshua dit, prenez garde car la séduction est là. Waouh! Ça veut dire que la séduction est cette arme-là que Satan utilise pour nous aveugler, pour ne pas que l'on voit le temps, qu'on saisisse le temps dans lequel nous sommes. La séduction, c'est partout. Hein?
On te fait miroiter des bêtes choses, des postes, des clés, tout ce que tu veux, tout ça. Peu à petit, on commence à se dire, bon, la vérité, là, on va peut-être la diluer. Ah! C'est chaud. Je dis au Seigneur, si tu me vois commencer à vouloir diluer ta parole, un an avant, tu m'enlèves. Ah oui? Vous savez, celui qui dit qu'il n'est pas séduit, il est séduit. C'est ça la séduction. Celui qui dit qu'il ne peut pas être séduit, il est déjà séduit. Parce que c'est ça même la séduction, le fait de croire que tu ne peux pas être séduit. Une femme, grande femme africaine, est venue me voir. Très très riche, milliardaire avec son mari. Elle m'a donné 1000 euros. Je dis non. Elle a insisté, je prie. Je dors comme ça, Dieu me dit c'est l'argent volé. Je l'appelle, je dis tu as volé cet argent. Je dis ton mari a volé. Et j'ai balancé ça aux pauvres. Ouais, la séduction, c'est terrible, c'est, tu prends ça là-bas, t'es cuit, c'est fini. T'as plus de vérité, tu perds le verbe, la spirituelle, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste sur la séduction. Quelqu'un qui a tout le temps en galère, on lui montre une espèce de palace, oh, séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh, Seigneur, sauve-nous. C'est grave. La séduction, notre génération connaît. Les Pauls, ils connaissaient la séduction, mais pas comme nous. Nous, c'est grave. Eux n'avaient pas d'affiche comme nous. Nous, on a Photoshop, on a la photo, photographie, tout ça, on a le cinéma. C'est terrible la séduction aujourd'hui avec le maquillage. Mais je vous assure, avec des produits cosmétiques, mais il n'y a qu'à voir tout. C'est grave. Aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, mais les hommes deviennent de plus en plus beaux, les femmes de plus en plus belles. Sur le plan sexuel, mais c'est grave, des couples ne tiennent plus. Sur le plan monétaire, notre génération connaît une richesse. Notre génération, il y a plus de richesse de riches aujourd'hui qu'avant. Il y a une croissance exponentielle de milliardaires dans notre génération. C'est impressionnant. La séduction. Alors, frère, vous êtes du premier garde. Est-ce qu'il dit beaucoup viendront disant c'est moi qui suis le Christ? Ah, c'est une séduction spirituelle. Pourquoi? Parce que nous attendons le Messie, vrai ou faux? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez quand Yeshua a eu faim. Qui est venu lui proposer à manger? Donc, je vais vous dire une chose. Quand on cherche à se marier, le premier homme qui vient souvent, mes soeurs, c'est pas le bon. Je ne dis pas toujours, mais. Une femme qui veut se marier, Satan le sait. Donc, il va te séduire par rapport à tes propres besoins. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, tu avais dit à Adam et Ève, vous mangerez le tout. Donc, il fallait qu'il mange. Et Satan est venu, ben voilà, vous pouvez manger ça. Jésus a eu faim. Satan est venu tout de suite. Hein? Ah ben, t'as qu'à transformer ses pierres. Ben oui, c'est en fonction de tes besoins, de mes besoins, que Satan va venir nous tenter. Vous comprenez un peu la séduction? Donc, on attend le Messie. Eh bien, lui, il vient, il dit, c'est moi le Messie. Laissez-moi vous dire que l'Antichrist est déjà sur terre, depuis. Il est déjà là. Son gouvernement est déjà là. Donc, le Seigneur dit, plusieurs viendront, ils vont se faire passer pour le Messie. Et il dit, ils séduiront malheureusement beaucoup. Oh Seigneur, sauve-nous. Ils séduiront beaucoup des gens. Et il continue, le Seigneur, il dit qu'il va y avoir des guerres, des troubles, des tremblements de terre, tout ça. On le vit depuis des années. Il y a une croissance exponentielle des troubles ethniques, des troubles, n'est-ce pas, raciaux. Et c'est impressionnant. Et effectivement, ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est une région actuellement qui est sur une poudrière. Effectivement, on en parlait avec des frères rapidement hier, ou avant-hier, hier. Avec l'Iran, par exemple, moi j'ai eu une vision où Dieu me disait, dans cette vision, pendant que je dormais, que l'Iran allait avoir la bombe atomique. La bombe nucléaire. Et autre chose, l'Iran, les Iraniens sont des Perses, comme vous le savez. L'Irak, c'est Babylone. Hein. Donc, et voilà. Et là, les Perses étaient une grande. C'était un grand royaume. Un grand, grand royaume. Et rappelez-vous bien,
Quelqu'un va nous lire rapidement Apocalypse 13. Le verset premier. Puis je vis monter de la mer une bête. Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ce corps, 10 diadèmes. Des noms de blasphème. La bête, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc on sait que c'est la Grèce. D'accord? Et ensuite? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ses pieds étaient comme ceux d'un. Écoutez bien ici, l'ours représentait quel royaume? Quel empire? Les Perses. Vous avez déjà lu ça, non? Voilà. Donc, regardez bien. Les Écritures sont précises. Si l'on nous dit ici que cette bête avait les pieds d'un ours, et qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? Eh bien, on marche. Mais n'oubliez pas que la marche. Là, on piétine avec, on foule avec. C'est-à-dire, c'est l'image de la domination. Voici, le Seigneur disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Donc, c'est la domination ici. Donc, ça veut dire que cette bête-là, ce royaume qui est le dernier royaume, aura la puissance royale, n'est-ce pas, des Perses et des Mèdes, c'est-à-dire l'Iran. Les Écritures nous disent que l'Iran va monter, prendre de l'ampleur, les Iraniens, et ils vont fouler. Ils vont fouler plusieurs nations, et la première nation qu'ils vont fouler, que l'Iran va fouler, bien sûr, c'est Israël. Et regardez, pendant des années, ils étaient sous l'embargo, et on l'a fait sauter, et regardez comment le président iranien a été reçu par les Européens, en Italie, en France, en grande pompe, au point où en Italie, dans un musée, ils ont dû couvrir, des statues nues. Ça, c'est bien quand même, pour ça, là, c'est, on ne fait pas aussi. Voilà. Mais pour que ce monsieur ne soit pas, n'est-ce pas, frustré. Parce que l'Iran est un grand marché de près de 120 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est le réveil de l'ours. Et vous avez vu la stature de l'ours? Quand il se dresse, quand il se met à courir. Ah ouais. Donc, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la crise migratoire. Les nations convergent vers l'Europe. Pourquoi l'Europe? Alors, on nous dit effectivement comme l'éclair, ça part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Alors, parce que l'Europe, le vieux continent, a joué un rôle majeur dans le passé, dans l'organisation, n'est-ce pas, de la mise en place du plus grand royaume ou empire que le monde ait connu, l'Empire romain. D'accord? Alléluia. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Vous aimez l'enseignement, hein? Gloire à Dieu. L'Europe. L'Europe a colonisé le monde. L'Afrique. L'Europe a colonisé les États-Unis. D'accord? L'Europe a colonisé l'Océanie. D'accord? Donc l'Australie. L'Europe a colonisé en grande partie l'Asie. Et c'est l'Europe qui dirige le monde. Même les États-Unis, parce que ce sont des familles royales qui dirigent les États-Unis. La Banque fédérale américaine est gérée par des familles européennes très puissantes. Il se passe quelque chose au niveau de l'Europe actuellement, c'est le temps, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, Yeshua est en train de revenir. Les nations quittent, n'est-ce pas, le Moyen-Orient pour aller jusqu'à l'Europe. Des Africains vers l'Europe. Des Asiatiques vers l'Europe. Et c'est là le siège, bien sûr, du gouvernement mondial. Et ne pensez pas que l'Europe va lâcher prise par rapport à l'Afrique, pas du tout. Donc, le gouvernement mondial est là
mise en place par les Européens, et effectivement, et il va y avoir, selon les Écritures, une, n'est-ce pas, une deuxième, enfin, Jérusalem sera coupée en deux. Jérusalem Est appartiendra à la Palestine, il y aura un État palestinien et un État, bien sûr, israélien. Et qu'est-ce que nous devons faire? Que devrions-nous faire, nos chrétiens, de l'an du 21e siècle? Eh bien, chacun doit avoir sa relation personnelle, développer sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, ils ne tiendront pas. Je ne parle pas du fait d'aller dans une assemblée quelqu'un, parce que beaucoup ont mal compris l'évangile. Beaucoup ont cru que c'est parce qu'ils sont membres d'une assemblée locale qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça peut vous choquer. Vous allez voir qu'au ciel, il y aura plus de gens qui n'ont jamais été dans les assemblées que ceux qui ont fréquenté les assemblées. Vous savez pourquoi? On peut être membre d'une église locale, du royaume de Dieu, être membre d'une église sans être membre du royaume de Dieu. Vous vous rappelez, un jour, le Seigneur était avec ses apôtres. Ils ont vu quelqu'un chasser les démons au nom de Yeshua. Vous vous rappelez, non? Et ils ont dit, Jacques et Jean lui ont dit quoi? Suis-nous! Sinon, tu arrêtes de chasser les démons. Ils ont dit non, non, non. Le monsieur a dit non, non, moi je ne rentre pas dans vos histoires. Moi je crois en Jésus. En fait, en gros, ça parle un peu. Je crois en Jésus, c'est mon Seigneur, je suis dans son royaume, mais je ne vais pas vous suivre physiquement. Ils sont partis voir le Seigneur pour dire, Seigneur, nous l'en avons empêché, nous lui avons dû ne plus prêcher, chasser les démons en ton nom, parce qu'il n'a pas voulu être dans notre assemblée de 12 membres. Ils avaient transformé ce groupe-là en fédération. Ah, Seigneur Jésus. L'homme est terrible. Hein? Dénomination, église dénominationnelle. Vous savez ce que c'est la dénomination? C'est quand chacun se bat pour avoir un poste. Qui va être le chef ici? Qui va remplacer le maître? Dans la dénomination, il y a toujours un voleur. Judas, il prenait la caisse. Il y a toujours quelqu'un qui a l'œil sur les offrandes. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Alléluia! Dans une dénomination, il y a toujours les sentiments charnels. Vous savez pourquoi? Jacques et Jean sont partis voir leur mère pour dire « Maman, il faut que tu t'organises parce que la manière dont on voit les apôtres, là, les collègues, là, ils risquent de ravir nos places. Va intercéder auprès de Jésus pour qu'on soit assis l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. » Voyez, non? Fédération. Le Seigneur va vous dire tout ça. Ils ont dit « Ah, ce monsieur, suis-nous! » Il y a des gens qui se convertissent aujourd'hui. Jésus les visite. Ils ne savent pas si c'est une église locale. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans leur désert. Ils sont musulmans d'origine, arabes d'origine, je ne sais pas, noirs. Ils sont dans leur coin. Les pygmées, Jésus les visite. Il y a beaucoup de conversions actuellement comme ça. Beaucoup. Et ils entendent la voix du maître, comme Yeshua a dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne seront pas personnelles. Et c'est des gens, ils suivent le Seigneur, ils prêchent la parole, ils vivent la parole et ils sont comme des électrons libres comme ça, là. Ils sont comme des ministères d'élite. Et ils finissent, ils partent. Et on va beaucoup rencontrer des gens comme ça. Toi, tu veux passer par une dénomination, moi jamais. Toi, tu es. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la relation avec Dieu d'abord. Parce que si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur et que vous êtes intégré dans une assemblée, vous pouvez mourir. Parce que dedans, il y a souvent des bagarres qui font. Nous, on a connu ça souvent. On a connu que ça à Paris, même si on dit que c'est le retour à la parole. Mais il y a eu que ça. Comme les Corinthiens. Frère, c'est grave. Hein? Parce que les signes sont là, 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 devant nous. On les voit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les assemblées, ce n'est pas mon message. Je dis simplement que le Seigneur, n'est-ce pas, vous devez d'abord être greffé sur le corps de Christ par le Seigneur, ensuite intégrer les assemblées. Pourquoi? C'est parce que si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas qui est vrai, qui est faux. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mourir. Et les signes sont là. Et vous savez quoi? Laissez-moi vous dire. Il y a une crise qui se met en place depuis quelques temps, quelques mois. Il y a eu une crise économique créée de toutes pièces en 2008. On nous a dit que Madoff, hein, ce banquier américain avait détourné
plus de 60 milliards de dollars. Dites-moi, 60 milliards de dollars, tu vas mettre ça où? Vous voyez pas que c'est l'arnaque? C'est des combines. Ils ont dit à ce monsieur, tu vas jouer un rôle. Tu vas voir tes millions. Tu vas, on va te mettre en prison quelques mois. Mais pas une prison, juste sur une île, n'est-ce pas? Bien, c'est ta piscine, ta plage privée, t'as des Amazones, des sirènes, des eaux, des belles femmes, t'as tout ça, tu te la coules douce. Juste, tu vas jouer un rôle et il faut faire croire aux gens qu'il y a eu un chaos économique, comme ça, nous, on va faire nos affaires. C'est comme ça, c'est une entreprise, le monde. Et la crise a été mise en place. Oh, 2002, c'était pourquoi? Pour mettre en place le nouvel ordre mondial, officiellement. Et le 20 avril 2000, n'est-ce pas, 9, Gordon Brown, de l'Angleterre, avec les G20, ils ont, le G20, ils ont mis en place ce nouvel ordre mondial. Ordo ab chaos. Faire émerger l'ordre du chaos. Ensuite, ils ne sont pas arrêtés là parce qu'il faut mettre en place le gouvernement mondial officiellement. Il est déjà là. Mais il faut l'officiellement pour que les gens soient au courant. Alors, il faut une crise. Ça a commencé en 2009, tout ça, tout. Et puis, ça s'est calmé un peu. Et là, ça revient en force pour votre information. Ça va être terrible. Ça va être une crise économique sans précédent. Des gens vont se suicider. Des gens vont se retrouver avec des crédits qu'ils ne peuvent pas rembourser. Comme aux États-Unis, mais pire encore. Écoutez bien, ça va se passer là. Pire encore, ça va frapper les nations. Aucun pays ne sera épargné. Alors ils ont commencé à baisser le prix du pétrole. Ils ont fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Ça frappe nos pays, ça frappe l'Angola. Ça frappe beaucoup de pays pétroliers, tout ça, la crise terrible. Et ils vont revenir, ils disent cela, ça va même pas faire ça, là. Ils vont venir officiellement, ils vont dire, voilà, il nous faut maintenant officiellement le gouvernement mondial. Et qu'est-ce qui va se passer? Les hommes, comme Apocalypse 13 le dit, la bête va séduire toute la terre. Eh bien, les hommes vont l'acclamer, vont l'adorer. Parce que c'est quoi? C'est Babylone, l'ours, le lion. C'est, n'est-ce pas, les Perses, c'est l'ours. Et, n'est-ce pas, c'est le léopard, la Grèce. Vous comprenez pourquoi il y a cette crise qui a menacé la Grèce? Les gens n'ont pas compris. Mais la Grèce, tout ça, ben attendez, c'est le léopard. Le léopard nous parle de la rapidité. Parce que Habakkuk nous dit que le léopard, avec ses ailes, court vite. C'est une image prophétique ici. Donc, c'est la crise de la Grèce a été fomenté de toutes pièces pour que ça ait des échos, comme l'effet domino. Et là, la crise qui arrive, elle est déjà là, mes amis, ça va être terrible. La plupart des gens, des riches, il y en a qui retirent déjà leur sous, ça va frapper la terre comme jamais auparavant. Et je vous dis, notez bien, hein, il va y avoir des suicides terribles. Il va y avoir des divorces qu'on n'a jamais connus. Des gens vont perdre leur maison, vont perdre leur villa, vont perdre leur travail. Et c'est alors que le G20 viendra, n'est-ce pas, ce groupe de pays les plus puissants au monde, pour dire, vous voyez ce qui se passe? Il faut une gouvernance économique mondiale. Il y a déjà la Banque mondiale, il y a le FMI. Vous savez ce que le FMI fait? Je vais vous dire une chose pour que vous compreniez les choses, parce que c'est l'horloge, c'est le monde. Là, on parle des nations comme l'horloge, c'est pas dans le monde. On parle du Fonds monétaire international. Le FMI arrive dans un pays, crée des crises, de toutes pièces. Ils reviennent et vous disent, nous allons vous prêter 2 milliards, c'est un exemple. Elle va avoir acclamé, c'est comme les sauveteurs, les sauveurs. Mais ils vous disent, vous ne va pas comprendre, mais... Ils vont dire, bah, on va vous prêter 2 milliards pour redresser le pays. Mais par contre, vous allez signer des contrats avec nous, les minéraux, tout ça, là, nous appartiennent pour pendant 1000 ans. Ils achètent tout le pays. C'est-à-dire, nous sommes tous des locataires. En fait, je dirais encore plus, c'est encore pire que ça, c'était des esclaves. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. C'est écrit. 1000 ans, il y a des contrats comme ça, vous devez le savoir. 500 ans,
200 ans, 300 ans, pendant lesquels on exploite tout le pétrole, c'est à nous. On exploite les minéraux, c'est à nous. Le pétrole, on prend 70%. On vous laisse 30%. Mais sur les 30% du pétrole brut, on ne vous vend pas les machines pour les raffiner. Donc vous devez venir nous voir encore pour le raffiner. Et sur le 30% que vous allez laisser, on va prendre encore 70%. Comment vous pouvez expliquer que la monnaie que vous utilisez ici, le franc CFA, soit frappée, n'est-ce pas, par la Banque de France? Vous voyez ce que je veux dire? Le gouvernement mondial. Les nations sont là, l'horloge est là, depuis... pas avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, si un pays ose dire à la France non, on veut plus que notre monnaie soit frappée là-bas, tout ça, la guerre. C'est grave. C'est là. Les États-Unis ont des réserves de pétrole. Ils peuvent utiliser ces réserves-là pendant plus de 100 ans. Ils ont dépassé même beaucoup de pays producteurs en termes de barils de pétrole. Tellement qu'ils ont pompé en Irak, pompé tout ça, là, tout ce que tu veux, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous comprenez que nous sommes, les nations, c'est une horloge, c'est là, sous nos yeux. Et qu'est-ce que font? Que font nos bishops là? Donnez la dîme, vous serez bénis, vous serez la tête, c'est des escrocs. Laissez-moi rouler le R. Moi, je ne me tais pas, je ne me tais, c'est plus fort que moi. Même quand j'enseigne, il faut que je dénonce. C'est pour ça que je ne veux pas avoir d'amis. Parce qu'ils sont aveuglés par l'argent, ils sont aveuglés par le ministère. Tout le monde va voir le plus grand bâtiment du Congo Brazza. Maintenant, si tout le pays se convertit, vous allez le mettre dans quel pays, dans quel bâtiment? Alléluia! Amen! Beaucoup savent qu'on est là, beaucoup savent que je suis là. C'est pourquoi on va aller à la télé ce soir à 20h. Voilà, à 20h30, là, au journal de la DRTV, là, tout ça. On va parler. Moi, je peux pas me taire. On va parler. Je peux pas me taire. Je peux pas! Les âmes qu'on en fait, on doit les dénoncer. Je me définis comme un fou. Un fou, c'est un fou. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas mon problème. Ça commence à me prendre, il faut que ça aille doucement un peu là, parce que ça commence à... Là, c'est... Je dis même aux frères qui sont avec nous à Paris, là, vous tous, c'est la foule. Ok. Qui est fatigué de ce qui se passe dans le monde? Qui veut que le Seigneur revienne? Ah ben oui, alléluia. On est fatigué. Ah, bien sûr. Tout ce péché. Le Seigneur m'a dit, mon fils, si tu ne parles pas, je t'enlève. Je fais quoi? On va prier pour les malades, pour les... Ça, c'est pas un problème. Les démons, le Seigneur les chasse. C'est pas un problème. Il faut quand même que l'évangile soit annoncé. Oh Seigneur, sauve-nous. Je sais, quand on voyage comme ça, quand on est dans un pays, ils font des réunions. L'antichrist est arrivé, faites attention, n'allez pas là-bas, tout ça là. Mes amis là, c'est fini là. Je vous dis, cette fois-ci là, Brazza, les boutiques là, tout ça là, vont faire. Boutiques, les églises, ils là, tout ça là. On va, je veux prophétiser, on ferme ça au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis désolé si c'est votre pasteur qui est comme ça, c'est pas mon problème. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'Église est née sous le 4e empire, on est tous d'accord. Hein? C'est quel empire? L'Empire romain. Et l'Église comme se retrouve sous le 4e empire, le gouvernement mondial. C'est l'Empire romain restauré. Mais cette fois-ci, c'est un... Toute la terre, on dit, Apocalypse 13, toute la terre. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a des choses que je vais vous dire ici.
Mais l'heure est grave. Je vous dis une chose. Babylone adorait. Quelles sont les divinités qu'on voyait chez les Babyloniens? Citez-moi quelques noms de divinités chez les Babyloniens. Comment? Le soleil, oui, ça c'est partout. Hein. Le soleil, oui, effectivement. C'est le dieu Bel. Bel s'écroule. Nebo. Tout ça, Marduk. D'accord? Et ça, c'est les divinités des Babyloniens. On retrouve également Baal. Hein, donc, les Cananéens également. Donc, Babylone, tout ça. Baal, le dieu de la pluie, la prospérité. Et quel est le dieu qui est le plus adoré sur terre aujourd'hui par les habitants du monde? C'est la prospérité, vrai ou faux? Le matérialisme, vrai ou faux? Voilà. Vous voyez, chaque empire amène son lot de divinités. Chez les Grecs, le léopard, ils avaient quelle divinité? Donnez-moi le nom des divinités grecques. Vous avez, hein? Zeus, Artemis, il y en avait, au lion, tout ça, il y en avait beaucoup. Vous voyez, non? Beaucoup. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans ce royaume dans lequel nous sommes, vous et moi, sur terre. Donc, on retrouve, mes amis, également le dieu du sexe. Vénus, l'amour. On retrouve chez les Grecs, ils avaient aussi une divinité qu'on appelait Eros, d'où le mot érotique. Eh bien, c'est exactement ce qui. Ce démon-là, c'est ce que Satan a envoyé dans la majorité des assemblées. Si Dieu vous montrait le nombre des pasteurs brazzavillois ici que vous connaissez, qui couchent avec des jeunes filles vierges dans leur bureau, beaucoup. Je jeûnerai tout le temps ici. Je vous dis, hein, il y a un culte diabolique en rapport avec le sexe pratiqué par beaucoup de pasteurs ici. C'est pour vous montrer que Satan est là dans les églises. Vous voulez aller au ciel, qui va au ciel ici? Fuyez les églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, qui va au ciel ici? Ah ben, fuyez, mon peuple, sortez du milieu. Alors on va dire des églises maintenant. Des églises, on va courir. C'est un milieu rempli d'impudiques, ce sont des églises. N'amenez pas vos femmes là-bas parce que les pasteurs vont les draguer. Ni vos filles. Ils vont les transformer en secrétaires. Vous avez vu dans la Bible Paul avec une femme secrétaire? Même en fait, avec un homme, ce Baruch, c'est un homme. Donnez-moi le nom d'un pasteur que vous connaissez ici qui a un homme secrétaire. C'est souvent les belles filles. Minces, jupes, courtes, tout ça, avec leurs talons, ça se dandine comme des dindes, n'est-ce pas? Ce sont ces celles-là. Et demain, la femme du pasteur devient sorcière, le pasteur doit trouver maintenant une autre femme. 20 ans d'âge de différence. C'est son papa, même grand-père, c'est pas un problème. Il faut quand même qu'il épouse. Je n'avais pas pu parler de ça, mais Dieu veut que je parle de ça. C'est le premier jour. Il faut que ça sorte tout ça. Il faut que ça sorte. Comme ça, vous allez. Là-bas, là, c'est soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Comme ça, la couleur est déjà annoncée. Alléluia. Amen. Vous êtes encore là? Amen. On va parler, hein, même la dot dans les églises. On va gratter tout ça, la dot. Les vendeurs de filles. Je sais qu'il y en a qui se me lapider, mais nous on pensait qu'il allait parler comme ça. Mais oui, mais c'est pas moi qui dirige. Hein. Si nous sommes conduits par l'esprit, on va dénoncer les voleurs des dons ici là. Vous allez rembourser les dons que vous avez pris à la prise là. Les dons que vous avez prises là, vous allez la ramener vite. Vous vendez les filles qui appartiennent au Créateur. Paul dit que nos corps appartiennent à Dieu, nos corps et nos esprits, vrai ou faux? Amen. Paul dit que nous avons été rachetés, vrai ou faux? Amen. Maintenant, Dieu a racheté ta fille, elle est devenue chrétienne, enfant de Dieu. Toi, tu viens, hein? De quel droit tu vas venir la vendre? Et on va discuter sur le prix. Ma fille, elle ne vaut que 3 000. Maintenant, il faut débattre, comme de la marchandise. On va parler, hein?
Vous allez voir que le mot dot là, pour la première fois, je ne sais même pas Dieu, Seigneur, tu m'as. Il y a des problèmes là ici. Je parle parce que c'est une petite. Ça sort un peu dans tous les sens. C'est le premier jour. Ça sort un peu dans tous les sens. Écoutez, le mot dot là, vous savez ce que ça signifie dot là en hébreu? Le prix d'achat. Un prix d'achat. C'est ça? D'une femme. On va parler pour trouver un tableau, on va tout décortiquer. Amen. On va se repartir tous ensemble. Moi aussi, là, on va manger 10 euros de la tombe de quelqu'un. D'accord. Je dis Seigneur, pardon. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas mieux que vous. Hein. Qui a déjà pris l'argent de la tombe ici? Soyons simples, humbles, vrai. Alléluia. Merci mon frère Jacques. On te l'humilité. Merci papa. Je te sois béni. Alléluia. Amen. Regardez, une femme tombe enceinte. Elle va porter pendant 9 mois sa fille. Dans la souffrance, elle va accoucher par césarienne parfois. Elle va investir dans la vie de cet enfant. La fille va grandir, belle femme. Et un homme va venir pour l'épouser. Et le papa de la fille viendra pour dire, en fait, ma fille qui est très belle ne vaut que 1 million. Et en face, on va dire, non, mais elle est belle, c'est vrai, mais 1 million pour elle, là, non, regarde, il y a une tâche, là. Il y a un défaut ici. Non, on va discuter. Non, 105 000. Cette fille-là, si elle est stérile, l'homme va dire, mais je t'ai acheté. T'es pas productif, donc tu n'as pas de fruits. Eh bien, je vais le prendre quelqu'un d'autre. C'est pour cela, ces filles-là, qu'on a achetées, on leur dit, vous, c'est la cuisine. C'est écrit où que la femme, son rôle, c'est la cuisine. Tout ça, on va parler. Hein. Afrique ou pas, là. C'est le même message partout. Un homme digne de ce nom-là doit être capable de faire le foufou. Il doit être capable d'aller au marché, prendre le ndunda, faire le ndunda, tout ça, la préparer à la cuisine. Il doit être capable de faire la vaisselle et préparer la table pour que ta femme mange parce qu'elle est fatiguée. Il doit être capable de prendre des fleurs pour les offrir à sa femme. Alléluia! Amen. Vous n'êtes pas d'accord? On va vérifier tout ça? Je me crée des problèmes ici. Hein. J'entends les femmes disent Alléluia, Amen, gloire à Dieu, parce que certainement, ils vont se dire, oh, mon mari à côté. Hein? Alors, il ne faut pas créer des problèmes à la maison. Les sœurs qui veulent se marier, levez les mains. Celles qui ont peur du mariage. Ok. Gloire à Dieu. Ah, t'as peur, hein? En fait, en gros, pour finir, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. En fait, il y a non seulement ce trouble, donc la crise qui arrive, il y a également cette... crise familiale, je pense que vous le voyez, hein. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Et je ne sais pas ici à Brazzaville, mais en tout cas, nous en Europe, il y a de plus en plus de cas de mariage, de divorce chez les chrétiens. Un mariage sur trois. Deux mariages sur trois en France finis au divorce chez les chrétiens. Il y a près de 115 divorces chaque année en France. 115 000, pardon. 115 000 divorces. Alors en Afrique, bien sûr, on ne va pas parler de divorce, on va plutôt parler de la polygamie. C'est-à-dire quand la femme tombe enceinte, même pas forcément, l'homme va commencer déjà à prendre quelqu'un. Plus l'homme a les moyens, plus, pas toujours, mais souvent, plus il a plusieurs femmes. Vrai ou faux ici en Afrique? Voilà. Parce qu'on reconnaît qu'il a un homme avec s'il a plusieurs femmes. Et parfois même, c'est des familles de l'homme qui vont mettre la pression sur leur fils pour qu'il quitte sa femme. Donc il y a cette crise familiale que l'on voit, la Bible en parle. Et c'est le cas. Le Seigneur a dit quoi? Ce qui arrivait à Sodome et Gomorre, hein, dans Sodome et Gomorre, arrivera pareillement. Et c'est le cas aujourd'hui. Crise familiale. Les maladies, n'en parlons même pas. Vous avez vu le cas de sida, des personnes atteintes du sida, le cas de cancer. En Afrique, il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de cas de cancer. Pardon. Il n'y avait pas autant. Actuellement, je ne sais pas, mais cancer de ci, cancer de ça. C'est impressionnant. Vous savez, c'est dû à quoi? La nourriture. Laissez-moi vous parler de ça. On est vraiment à la fin. Laissez-moi vous dire que le Seigneur revient, frère. Le Maître revient.
Vous avez vu cette crise alimentaire? Nous sommes 7 milliards aujourd'hui sur Terre, 7 milliards. Et il faut nourrir toutes ces bouches. Regardez, les Occidentaux ont tout fait pour que les herbivores soient complètement, mes amis, enfarinés. C'est-à-dire, ils donnent de la farine aux herbivores. Vous avez trouvé ça où? Des vaches que tu as créées pour manger de l'herbe. Hein? Les vaches mangent de la farine. On dit c'est la farine animale. Et elles font des gaz, ça pollue énormément. C'est grave, hein? La nourriture, regardez bien, moi je vois des frères qui boivent du coca ici, là. Je leur dis, mais ils sont en train de se tuer. Coca! En Afrique, un verre de coca ici en Afrique, parce qu'il n'y a plus de sucre dans vos coca ici, votre coca ici que là-bas. Le genou. Même dans vos fantas, là, tu vois, sucré, là, il y a plus de sucre. Un verre de coca, là, un petit verre comme ça, là. C'est 4 morceaux de sucre. Donc quand vous prenez toute la bouteille, là, s'il y a 3 verres, là, je peux vous calculer. Chaque jour. Et vous êtes étonné de voir des enfants de 8 ans, comme on me l'a dit ici, là, 9 ans, qui ont le diabète. Des maladies cardiovasculaires, cadavres, c'est la bouffe. Et comme l'Africain est tellement dans, n'est-ce pas, dans l'excitation, dans les émotions, quand il y a un décès, tout de suite c'est la sorcellerie. Malbouffe. On envoie de la bouffe, vous savez, avec beaucoup de sucre ici, coca, tout ce que vous voulez, tout ça, ici. C'est que pour ici. Même vos briques de jus, là, tout ça, c'est l'Est ou c'est RS, je ne sais pas quoi. Là. Mais là-bas, là, c'est pas pareil. Regardez le taux de sucre là-bas. Là. Ici, la plus parce que quoi? Parce que depuis le ventre, là, ils nous ont habitués au sucre. Vous avez vu le nombre d'Africains, excusez-moi le terme, hein, qui ont du ventre. Ils sont jeunes, mais ils sont ventre. Ils ont du. Mais c'était des maladies. Vous voyez, je parle, non? Ouais, je touche à. C'est le premier jour, on donne tout. Comme ça, vous verrez comment là, ça va se passer dans la suite. Vrai ou faux? Ben voilà. C'est la fin. On est à la fin. Et il y a beaucoup de pesticides dans la nourriture, beaucoup de produits chimiques. Du maïs, mes amis, complètement modifié. Les souris mangent. On a fait dans les laboratoires, hein, on a fait des tests. Ben, des souris avec des bosses, avec des kystes terribles. Vous avez vu le nombre de femmes qui ont des problèmes de fibromes aujourd'hui, tout ça là? Avant, nos grands-parents, ils vivaient jusqu'à. Ils vivaient très âgés. Hein? 90 ans, toujours, ils faisaient toujours la maçonnerie. Vrai ou faux? Et aujourd'hui, là, à 40 ans, les gars, ils sont fatigués. Des cas d'impuissance. Le monde va mal. C'est le gouvernement, c'est l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce. La malbouffe, on en voit en Afrique, la malbouffe souvent. Vous avez vu les grands, les riches, là. Vous allez voir le magasin faire des courses ici, là. Ils ont un autre circuit. On met les fruits que l'on connaît, nos fruits ici, là, qu'on produit. Hein? La banane, ça pousse ici, non? Les oranges, vrai ou faux? Allez acheter ça, mangez-le. Vous avez vu comment c'est cher? Ils ont pris le coca empoisonné, ils ont mis ça moins cher. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, les Africains se multiplient facilement. Mais il faut équilibrer la démographie, il faut tuer. On est à la fin. Apocalypse 18 nous dit que le masque. La semaine, là. Le marché de Babylone, c'est on vend les âmes d'hommes, on vend du sang, les âmes. C'est ça, on est en plein temps. C'est la fin. Vous allez mettre l'espoir dans ce monde encore, là, mes amis, qui a échoué. Où est l'évangile? Où sont les prophètes? Où sont les prédicateurs? Où sont les femmes de Dieu? Où sont les hommes de Dieu intègres? Où sont les chrétiens authentiques? Il y en a très peu.
Où sont ces prophètes qui viennent et qui disent, voilà le temps, voici le message. L'époux vient, il est presque à minuit. Réveillez-vous, préparez-vous, sanctifiez-vous, craignez Dieu. Jeunes filles, confessez vos avortements. Jeunes hommes, confessez vos masturbations. Le Seigneur revient, quittez la sorcellerie, revenez à Dieu. Où sont ces prédicateurs qui donnent tout gratuitement comme le Seigneur l'a dit? Où sont ces hommes et ces femmes? Pour voir un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu, il faut une offrande. Ces orgueilleux. Un vrai homme de Dieu est un homme simple. Ayez l'esprit qui était en Christ. Revêtez-vous de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Il était simple. Notre Dieu était simple sur la terre. Ils n'ont pas l'esprit de Christ. Si tu veux te mettre en claquette, tu es libre. Sans toi, libre. Tu veux être un touchant sans toi, toi-même. Bishop, t'es quoi? De la poussière, de la pourriture. Voilà ce sable, ce bout de terre qui se prend quelqu'un. Sans maquillage, t'as vu ta tronche? Première dame, femme du pasteur. Et c'est comme ça qu'on les appelle maintenant la première dame. First lady. Hein, first lady. C'est des sorcières. Ne laissez pas ces femmes imposer les mains à vos enfants. Si elles viennent prêcher, elles vont vous taper leurs mains comme ça, vous mettez ça de côté. Oh ma soeur, j'ai vu une vision sur toi. T'as rien vu. Garde ta vision pour toi. Ne sème pas dans mon cœur une fausse espérance. On va sauver la prophétie. Seul est quelle prophétie? Tout est accompli, le Seigneur a dit. Tu vas sauver quoi encore? Tout est accompli. Que tu prophétises ou pas, tout est accompli. Amen. Avant ta naissance, tu as déjà prophétisé sur moi. Et comment ça va être la parole? De Yeshua. On veut voir Jésus, on veut goûter à Jésus, on veut palper Jésus, on veut marrer. Oh, apôtre des nations, on s'en fiche de l'apôtre. Il y a seulement un seul apôtre, l'apôtre des apôtres. Celui que nous devons annoncer ici. Là. Arrêtez de nous tromper, tous apôtres. T'as quelle église là? Le Seigneur a dit je bâtirai mon église. Toi, tu dis que tu bâtirai les églises, tu es apôtre. Alors, nous, nous sommes membres de l'église céleste. Voilà. Et tout. Nous, on ne peut pas nous manger. Les sorciers ne peuvent pas nous manger parce que notre sang est amer. Ils ne sont pas comestibles. Même quand on nous avale, on va nous vomir. Même trois jours après, là, on va nous vomir. Parce... Il n'y a pas un seul estomac qui soit adapté au sang de chrétien. Parce que le sang de Dieu coule en nos frères et sœurs. Et c'est ça l'évangile. Alléluia. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Je bénis Dieu pour notre génération, même si l'antichrist est là. Oh Alléluia. Là où le péché abonde, la grâce sera propre. Oh Alléluia. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Nous sommes cette deuxième maison, frères et sœurs. La première Israël, la deuxième maison. Il a dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer. Oh, ya. Les portes de l'enfer. Aucune porte ne peut te retenir. Aucune prison ne peut te retenir, frères et sœurs. Il dit, je vous donne les clés du roi. Souvent ici, délions ici, là-haut, là, c'est... Oh, Jesus Christ. Alléluia, quelque chose ici, là. Oh, alléluia, quelqu'un qui a été beaucoup brisé ici, là, quelqu'un que Dieu... Alléluia de Jesus Christ. Oh, les gars, il y a une onction prophétique ici. Ce frère-là, là, la puissance de Dieu. Oh, Lord God. Oh. You are. Il y a une onction, petit. Il y a une onction prophétique ici, là. Les élus ici, là. Les frères, les prophètes, les prophétesses. Messagers, les messagers ici. Voici la gloire de Dieu. Jesus. Jesus. Jesus.
Dieu révèle ses prophétesses, Dieu révèle ses messagers, Dieu révèle les évangélistes, Dieu révèle les pasteurs, les prophètes, l'église véritable. Je dis mon fils, c'est moi qui t'envoie, ma fille, c'est moi qui t'envoie. Holy God, Holy God, Holy God, tu vas prophétiser de ma part, tu vas annoncer ma parole, tu vas annoncer ma parole, tu vas libérer mon peuple. Cette mission est particulière. Des anges sont descendus pour Brazzaville. Ils sont descendus sur Brazza. Des liens seront brisés. Des freins de la mort seront brisés. Dieu veut changer la face de la nation. Dieu veut changer la face de cette nation. Dieu veut changer la face de cette nation. Cette nation qui a beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Et Dieu dit, mon peuple, je suis en train de te visiter. Je veux te visiter cette semaine. Je veux te visiter la semaine prochaine. Je veux confirmer l'appel que j'ai mis sur toi. Je veux confirmer les visions que je t'ai données, les songes que je t'ai donnés. Je veux confirmer la prophétie que tu as reçue il y a quelques années de cela. Je veux confirmer la prophétie par rapport au réveil que je t'ai donné. Au sein du gouvernement mondial, au milieu de Babylone, Dieu a appelé Jérémie, Dieu a appelé Ézéchiel. Voilà pourquoi les ministères que Dieu va oindre de plus en plus, c'est des ministères de prophètes. C'est des hommes et femmes qui ont l'œil prophétique, qui ont le manteau d'Élie et qui vont parler comme Jérémie, qui vont parler comme Ézéchiel. C'est des hommes et des femmes que Dieu va amener dans les assemblées de Babylone. Il va leur montrer les choses cachées. Dieu va leur dire, allez avec ces rouleaux, allez libérer mon peuple. Allez libérer mon peuple. Et personne ne peut s'opposer. Ceux qui vont s'opposer, Dieu va les rencontrer. Personne ne peut tuer ces hommes et ces femmes que le Seigneur a mandatés au nom de Yeshua. Même si Babylone est debout, même si Babylone est debout, le Seigneur dit, mon fils, ma fille, toi que j'ai choisi, rappelle-toi que tu fais partie de la nouvelle Jérusalem. Et tu es au-dessus. Au-dessus de toute cette nation. Au nom de Yeshua. Oh là. Father, we love you. Bénir pour ta fidélité, Père.
Dieu dit qu'il est ton peuple. Dieu t'aime. Il t'a pas oublié. Rien ne dit que tu pleures beaucoup pour tes enfants. Tes enfants sont consacrés. Ils vont servir le Seigneur. Ils vont servir le Seigneur, ma soeur, au nom de Yeshua. Le Seigneur a entendu tes pleurs. Il a entendu tes larmes par rapport à ta famille. Au nom de Yeshua. Père, merci. Amène-moi cet enfant. Ouais. Père, merci pour ta présence. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les amoureux du Seigneur, les passionnés du Seigneur. Seigneur, merci pour cet enfant. Guéris dans Seigneur. Jora, je t'aime. Jora, je t'aime. Ah.
Thank you.
Alléluia. Cette présence, on en a besoin. Dieu console toute votre famille, là, les enfants. Vu le soleil de Dieu, le soleil du matin, éclairer les enfants. J'ai vu les enfants avoir leur diplôme et la main du Seigneur sur eux. Et Dieu a vraiment vous récompensé par vos ans. Et ils vont tous servir le Seigneur. La main de Dieu là. Alléluia. Ça sera la promesse que Dieu vous fait. Oh Seigneur, merci. Il y a quelqu'un que Dieu a délivré, Dieu libère de la mort. La mort rôde autour de ta famille, autour de toi. Le Seigneur te fait échapper de la mort par la puissance de Dieu. Il vient briser toutes ces chaînes et les réunions des satanistes de ta famille pour te tuer. Ils ont décidé de te tuer, de t'enlever. Le Seigneur te garde, te gardera encore. Alléluia, Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour la vie qui prend place dans ce corps. Au nom de Yeshua, alléluia. Quelqu'un a beaucoup tourmenté les nuits là. Tu passes des nuits très très dures, très difficiles. Avec ton sommeil qui est beaucoup agité, ces choses qui viennent t'embêter, t'attaquer. Et pareil, le Seigneur te libère de ça. Seigneur, merci pour cette chaîne que tu as brisée, Seigneur, au nom de Yeshua. Le Seigneur, merci. Cette personne qui est là, là, qui demande au Seigneur sa délivrance depuis, sa délivrance, que le Seigneur te nettoie complètement. Et le Seigneur, aujourd'hui, là, ben, il étend sa main sur toi. Il te libère de ce fardeau, là, ce poids. Libère également de vertige, quelqu'un ici qui souffre beaucoup de vertige, là, que le Seigneur a guéri au nom de Yeshua, le Seigneur, merci. Oui, ma soeur, tu peux venir. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Quelqu'un a très mal au dos depuis quelques temps, le Seigneur a guéri. Le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur va te consoler, là, il te dit fortifie-toi au nom de Yeshua, alléluia. Le temps de la restauration de la famille pour toi est arrivé. Le Seigneur a vu tes larmes que tu as versées dans la prière, tout ça, et il va vraiment te justifier là. Ésaïe 54, c'est pour toi. Alléluia. Dieu est bon. Une sœur qui a beaucoup de songes, beaucoup de visions, et tout ça, et qui a en même temps beaucoup combattu par l'ennemi. Et le Seigneur te fortifie vraiment. Il va encore ouvrir tes yeux parce que tu es une sentinelle qu'il a établie. Une sentinelle, tu vois, c'est pour intercéder. Tu es en même temps fragile, et le Seigneur est en train de travailler ta vie là. Tu as l'impression que le Père, hein, c'est comme s'il est loin par rapport à tous tes combats. Pourquoi toi? Pourquoi ces souffrances? Et tu pleures beaucoup, tu peines beaucoup, et tu ne seras pas comprise au sein de Dieu. Parce que tu portes son fardeau, parce que tu Oh, alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que le Père t'aime beaucoup. Hein, voilà, c'est une belle histoire vraiment d'amour entre le Seigneur et toi. Il a commencé une œuvre dans ta vie qu'il veut achever parfaitement. Notre choix. Quelqu'un d'autre ici qui chante, qui a la grâce de chant. Tu reçois beaucoup de chants depuis longtemps, tu reçois des chants, et il est temps que tu diffuses massivement ces cantiques, ces chants que Dieu te donne. Notre choix. Père, merci. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Viens, ma soeur. Le Seigneur veut aussi te consoler. Le temps de la consolation de ta famille est arrivé aussi. Le Seigneur déchire ce voile ténébreux au-dessus de la famille. Le Seigneur brise toute cette malédiction familiale. Tout ça est... souffrance qui est là, parfois ta famille. Le Seigneur me dit que le temps de la délivrance de ta famille est arrivé, tout ça, les ténèbres reculent, au nom de Yeshua. Et pendant ce programme, le Seigneur va particulièrement te visiter, va vraiment te consoler, te faire du bien, au nom de Yeshua, alléluia. Et tu vas percer comme ça avec le Seigneur. Voilà, ton temps est arrivé, le Seigneur est vraiment le Père qui t'aime. Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour ta grâce sur sa vie, au nom de Yeshua, alléluia. Voilà, Seigneur, merci. Ça va, toi? Voilà. J'aime le Seigneur. Viens. C'est en
Seigneur, est pour sa vie. Seigneur, merci. Tes parents sont où? Ah, son papa est où? Hein? Il est chrétien? Non. Vous habitez ensemble? Je veux faire quoi comme travail quand tu seras grande? Tu sais pas encore? Seigneur, bénis cet enfant. Au nom de Yeshua. Quelqu'un souffre du diabète ici que Dieu veut guérir. Cette maladie-là, je veux te. Je veux t'en libérer au nom de Yeshua. Pourquoi tu lèves ta main, jeune homme? Est-ce que tu veux venir? Viens, va me voir. Parfois, on néglige les enfants. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu aimes Jésus? Oui. Tu t'appelles comment? Oui. Alors, tu as quel âge de 6 ans? Il a 6 ans? 7 ans? 5 ans? Il va avoir 6 ans quand? 16 juillet? Ah ouais, parce que 6 ans, toi tu vas prêcher la parole de Dieu. Hein? Hein? Ah oui. Ce sont tes enfants là, tu veux dire? D'accord. Ça va aller, Dieu vous aime beaucoup. Hein? Elle est beaucoup servie au Seigneur. Avec une belle présence de Dieu qui va vous accompagner. Allez, au revoir à Dieu. Ma soeur? Je prie pour toi. Tu aimes beaucoup le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'aime beaucoup. Ton mari, le travail. T'es un enfant de l'Alliance. Tu as beaucoup évangélisé. C'est ton appel là, comme une guerrière. Alléluia. Passionnée de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, que ma soeur soit vraiment bénie. Oh Alléluia. Ah. Oh. Après ta naissance, après la naissance de ton enfant, le Seigneur va visiter votre couple comme jamais par vous. Alléluia. Et ton mari va beaucoup servir le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Et le réveil arrive chez tes parents, la famille, tout ça, toute la famille, la grande famille, doit mettre sa main là de guérison, de délivrance qui vont s'opérer au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit qu'il est le père des orphelins. Il est celui qui protège, qui garde les veuves. Le Seigneur va vraiment garder ta famille. Prends courage au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Wow, Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, ma soeur? Beaucoup de choses, hein? Je souffre beaucoup. Viens. Comme Marie de Magdala, le Seigneur veut changer ton histoire. Au nom de Yeshua, alléluia. Tu as vu la méchanceté de l'homme. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Le Seigneur me dit de lui dire qu'il l'a guéri spirituellement et physiquement pendant Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Et avec tes mains, tu as beaucoup aidé les enfants, beaucoup aidé les enfants, beaucoup aidé les jeunes. Demeure dans la sanctification, dans la sainteté. Et les promesses du Seigneur pour toi vont se réaliser dans Yeshua. Merci. Dans la famille de quelqu'un ici, il n'y a pas de mariage. Et toi, tu pries beaucoup, le Seigneur. Tu ne veux pas que cela te touche. Ça, c'est ta prière. Tu parles à quelqu'un ici. Ouais. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur a exaucé ta prière. Ne t'inquiète pas. Le
le Seigneur brise la puissance du célibat. Il fait sauter les chaînes de la confusion. Au nom de Yeshua, Seigneur. Père, merci. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette libération totale. Quelqu'un des choses à reçu, des choses de la part du Seigneur, mais la timidité t'empêche de pouvoir faire les choses du Seigneur. Le Seigneur te donne la force pour pouvoir parler, parler de sa part. Qui n'a pas encore reçu son baptême ici? Qui veut recevoir le baptême aujourd'hui? Venez. Oui, donc gloire à Dieu, on donne l'enfant. Donnez-vous qui voulez le baptême. Qui veut abandonner un péché? Venez, vous qui voulez abandonner le péché. N'ayez pas honte. Je sais que vous êtes innocent. C'est à ma gauche. La puissance de Dieu va briser ces chaînes qui vous retiennent dans le péché. Le péché, c'est pour le péché. Le baptême, le péché, c'est là. Oh, Dieu est grand. Voilà. Vous pensez que Dieu peut le délivrer? Amen. L'œuvre, nous allons prier pour vous. Seigneur, nous venons chasser l'esprit. Bon. Quoi? Allez, sors, sirène, sors. Quitte-la, voilà. Quitte-la. Là, c'est un gros mamiwata, c'est une grosse mamiwata qui est là. Cette mamiwata là travaille avec le restaurant mamiwata. Sors, voilà. Sors, 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 sors. Là, je le dis, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Mamie Wata, je ne veux pas t'entendre. Elle est en train de me dire que c'est sa servante, qu'elle lui a été consacrée depuis le ventre de sa mère. Je veux que tu t'en ailles, que tu ne reviennes plus dans ce corps, là, mon Dieu. Quitte-la. Oh Jésus de Nazareth. Dieu libère ce enfant de Dieu. Lâche-la. Là, c'est la mort. S'en va. Lâche-la. Lâche-la, je dis, lâche-la. Allez, sors, aussi. Lâche-la. Lâche-la. Il est là. Il est là, là, là. Ça sort là. Il serait là. Allez, sors d'elle, il serait là. Allez, go. Là, le deuxième serpent là. Oh Jésus de Nazareth. Lâche-le. Sors là. Jesus. Tu ne mourras plus là. Tu vas servir le Seigneur. Non, Yeshua. Tu vas lâcher le péché. Non, Yeshua. Alléluia. Il y a une sirène qui m'insulte ici là. Qui me dit pourquoi tu es venu à Brazzaville. Oh, soyez en prière. Il y a une reine de côte, qui m'insulte, qui est très en colère. Jesus Christ. Oh. Allez, lâchez ses corps. Je dis lâchez ses corps au nom de Yeshua. Allez, sortez.
Elles ne veulent plus de vous. Elles ne veulent plus de vous. Elles ne veulent plus être à votre service. Vous pensez que tu peux les délivrer? Amen. Tu le crois? Amen. Oh, alléluia. Voyez la puissance de Dieu là. Dieu est grand. Ce ne sont pas les seuls démons qui traumatisent les gens ici. Non. Restons en prière. Vous savez, le Seigneur a permis que ce programme ici pour non seulement nous enseigner, mais aussi pour libérer son peuple. Amen. Quelqu'un est beaucoup tourmenté par la puissance de la sorcellerie de sa famille, de sa famille. Le Seigneur est en train de te libérer de ce lien. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Tout ce que tu fais, rien ne va, rien ne marche. Amen. Tu commences quelque chose, ça ne se termine pas. Et tu ne comprends pas pourquoi. Là, tu es là, mais tu n'en peux plus. Le Seigneur est en train de mettre sa main sur ta vie. Là. Il est en train de te libérer de quelque chose. Il est en train de te libérer de cette chose-là qui t'épuise. Au nom de Yeshua. Tu es baptisé, frère? En immersion? Oh Seigneur, merci. Tu es marié? Seigneur, merci pour ta puissance. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le, je dis. Lâche-le. Lâche le jeune homme, lâche-le, il ne veut pas de toi. Jesus, ça vient de nous. Jesus. Oh, Jesus. Wow. Il faudrait prendre leur nom là, pour parler avec à la fin, bien comme il faut. Qu'elle confesse des choses. Oh, Jesus. Lâche-le. Lâche mon frère. Lâche mon frère là, au nom de Yeshua. Fini, 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 fini. Elle te vomit. Tu m'entends? Lâche cet enfant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Lâche-la. À genoux. À genoux. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vois à genoux. Merci Père. Lève-toi, jeune fille. Tu veux le baptême? Non. Tu veux le baptême? Pour le baptême, on peut déjà. Quelqu'un peut le recevoir. Démon, au nom de Yeshua, tu te mets à genoux. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que le Seigneur, que Jésus est Seigneur. Maintenant, à chaud. C'est bon pour vous. Tu es baptisé par immersion? Oui? Oh Seigneur, merci. Vous pensez que le Seigneur fait quelque chose? Amen, amen. Ah oui. Père, merci. Qui est venu avec elle? C'est ta fille? Son papa est où? Il est mort? Et non seulement la sirène, là, pour détruire sa vie, ensuite, si vous voulez, des gens qui sont proches, pratique la sorcellerie, pour la détruire aussi physiquement. Elle est baptisée? Non. Mets-toi à genoux, au nom de Jésus-Christ. À genoux. À genoux. Voilà. À genoux, au nom de Jésus. Vous savez, quand on fait des délivrances comme ça, on reste en prière. C'est important. Amen. Amen. Et une jeune femme, une sœur qui a des problèmes du ventre, au niveau du ventre.
Il y a beaucoup de douleurs de temps à autre. Oui. Viens, reviens. Il y a des choses qui sont là encore. T'as un petit copain? Non. Bon, tu sais que le péché, là, c'est pas bon. Tu sais que le péché, c'est pas bon. Ça t'arrive de mentir? Toujours. Oh Seigneur, merci. Dieu opère. Dieu guérit, Dieu restaure. Oh oui, Dieu sauve. On a mis quelque chose là. Sinon, on enlève. Quelqu'un a un problème d'estomac, un problème de digestion. Le Seigneur veut guérir. C'est bon, c'est parfait. On va parler avec toi à la fin. Problème de digestion, là, tout ça, ton estomac. Voilà. C'est toi mon frère? Le baptême, les baptêmes, on vous attend là-bas. Allez vous faire baptiser là-bas. Depuis quand tu as ce problème? Je suis baptisé. Oh Jesus. C'est bon. Il y a quelqu'un qui a du mal à pardonner à son père. J'aimerais le voir, s'il te plaît. Faut que tu libères le pardon. Même si ton père était. Ton père n'a pas été à la hauteur. À cause de la colère, à cause de cette haine. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Faut que tu libères le pardon. Véritablement. Seigneur, merci pour ce jour. La colère, la haine, Dieu voit que tu souffres. Cette chose en aille, lâche ce jeune homme. Lâche-le. Le Seigneur est ton père. Dieu va faire de toi un père, beaucoup d'enfants. Oui. Dieu sait. Tu vois, il te connaît. Il sait ce que tu as enduré. Et à partir d'aujourd'hui, change ton histoire. Tu seras différent avec tes enfants. Tu vas les aimer, tu vas dialoguer avec eux. Tu ne vas jamais les taper. Le Seigneur te dit, prends courage. Garde la colère, veille. C'est lui qui justifie. Père, merci. Wow. Cet enfant, la soeur, on l'a mis. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens de famille, votre famille, la famille de ton mari, ton deuxième mari, ils sont impliqués dans la vie des enfants. Ils ont décidé de détruire la vie. Cet enfant et la sirène. C'est une sirène, comme je dis, qui travaille dans certains restaurants ici. Mais Dieu aime cette jeune fille. Dieu l'aime, n'est-ce pas? Amen. Ah oui. Oh Père, merci. Au nom de Yeshua. Nettoie, jeune fille. Au nom de Yeshua. Père, merci. Kombo na yo, posa na yo, posa na yo, posa na yo, koleba, posa na yo.